quand le PY a un petit peu de tir en mixte là, extérieur avec intérieur, un travail avec Gilles sur la défense, deux trois petites choses en attaque et vous finirez par, je pense, une belle demi-heure de shoot. Let's go. Allez, comment aller. One team. Dat is natuurlijk een heel atletische ploeg, hè. Dat ziet iedereen. Veel, ja, heel veel sprongkracht en zo verder. Hè. Dus daarom ja, kunnen ze ook heel veel switchen in defense en zo. Krijgen we dat allemaal een beetje. Dus ja, hè, dat is eigenlijk vooral een beetje. En dan vooral, ja, je ziet natuurlijk dat hun bankje is ook echt wel diep. Degenen die de wedstrijden wat gevolgd hebben, je ziet dat niet zo echt direct verzwakt. Dus dat is zeker en vast een van hun sterktes. Toch behoorlijk wat spelers die een goeie shot hebben, ook hun bigs dan. Dus alleen dat gevaar komt eigenlijk een beetje van overal zo. Dus die zijn echt wel breed en uitgebalanceerd. En ja, dus dat is eigenlijk de sterkte van die ploeg. Voor mij is dit het beste basketbal wat we op parket hebben gebracht. Waarom? Omdat het gevaar echt van alle kanten komt van ons ook voor scores te maken. Ik weet wel, we kijken misschien wat de scores betreft heel veel naar onze basis 5. Maar ik vind zeker ook dat wij van de bank, ondanks het feit dat het soms wat stressy blijkt voor sommigen, maar dat is niet erg, heel veel energie en heel veel defensive power misschien dan vooral brengen. Dus dat is supergoed. Maar dan vooral, als je dat nog eens samenplaatst met al die fun die onze ploeg gewoon uitstraalt, en dat zijn niet alleen de spelers, dat is ook de start, de staf. Heel die mix is by far the best. Souvent été de l'autre côté, d'accord, en étant dans le staff d'équipe de France, on a toujours eu peur de la Belgique. On a toujours eu peur de la Belgique. Aujourd'hui, je suis content d'être du bon côté parce que je sais qu'elles ont encore peur de la Belgique. Maintenant, la réalité, elle se passe dans ce rectangle-là, la vérité du terrain, donc c'est ce qui va se passer sur le terrain, les peurs, les pas peurs. Mais je suis persuadé que c'est encore une équipe qui a peur du style des Belgian Cats, donc il va falloir que nous, on arrive à imposer ce style-là. Okay, ça va être la clé. Belgium on 3, 1, 2, 3, Belgium! Et après, ça, c'est juste une liste, je pense, de beaucoup de choses, okay, sur lesquelles vous faites des sacrifices dans votre vie. Okay, vous ratez des anniversaires, vous ratez des mariages, vous ratez beaucoup de choses, des Noël, vous ratez des temps avec votre famille, avec vos amis. Okay. Ces sacrifices-là, on les fait. On n'a pas de chance. On n'a pas de chance de rater ces moments-là dans notre vie. Je parle de cette saison, je parle de la carrière, je parle de l'été que vous passez avec les équipes nationales alors que d'autres sont en train de se reposer. Okay. Mais par contre, on a de la putain de chance d'être aujourd'hui en demi-finale du championnat d'Europe. Ça, c'est une chance. On n'a pas de chance de rater des choses, on a beaucoup de chance d'être là. Okay. Depuis, je crois, le 20 novembre. Depuis le 20 novembre. Depuis le 20 novembre. Je vous dis que tous les jours, il faut qu'on soit une meilleure version de soi-même, okay, individuellement et collectivement. Moi, vous savez ce que j'ai fait? Aujourd'hui, j'ai la nationalité belge. After they don't make the extra effort. So let's go through that, the first minutes, and then let's kill it. Okay? But stay cool. We have 20 more minutes to go. Let's be patient in offense. Let's run when we can. But let's be smart. Make sure we communicate in rotations. I feel like that's where we make the most mistakes sometimes. Yeah. Like sometimes, like if you stand, don't jump out on this leg so you can get back in time. Like shuffle your feet and then you get back in time. Just the stand is just to make him hesitate. Or if you know you have a steal, you can go
Juste avant que j'oublie, la première chose, c'est jouer cette deuxième mi-temps comme s'il y avait 0-0. Okay, comme s'il y avait 0-0. Ne pas faire cette erreur, d'accord, de tomber dans la facilité ou de chercher à gérer un avantage. Okay, we play the second half with 0-0. Okay, on est sérieux, on est continué à être dans la dureté. Okay, les arbitres, ils laissent jouer, donc on est continué à être dans la dureté. Si, sur les lay-ups, voilà, pareil, tu as juste de la discipline, on va voir s'ils sont capables de marquer. Just to, you know, try to change a little bit of their angle. Okay, et comment? Allez. 20 minutes 0-0, one team! Tout ça demain, ça va servir à pas grand chose, ok? Demain, ça va être dans la tête, ok? One more, voilà, on est tout proche, on est à 40 minutes, 45 minutes, je sais pas. Donc faites s'il vous plaît tout ce qu'il faut, d'accord, pour demain être à votre meilleur état de forme, ok? Mental, physique, tout ce que vous voulez. Si vous voulez manger au McDo ce soir, mangez au McDo. Si vous voulez. Ok, vous méritez tout ce qui vous arrive aujourd'hui. Allez. One team! De la fierté déjà, de la fierté d'avoir amené déjà l'équipe sur une marche supérieure parce que j'étais là pour ça et donc il y a vraiment ce sentiment là qui prédomine. Après il y a aussi déjà dans ma tête un gros niveau de concentration sur cette finale parce que je veux dire, quand on joue une finale on peut que la jouer pour la gagner. Non, je pense qu'il faut vraiment voir cette équipe espagnole dans sa globalité plutôt que par individu, même si plus on gagne les duels, plus on se facilite la tâche en défense. Et sur le plan collectif, pour revenir à ça, c'est une équipe qui, voilà, qui court beaucoup, qui développe beaucoup de jeux rapides, qui est capable aussi de défendre tout terrain. Donc voilà déjà deux choses sur lesquelles les Belgian Cats vont devoir être vigilantes ce soir pour augmenter nos chances de gagner la médaille d'or. Ik heb er onlangs ook nog met een paar mensen over gepraat dat TTK misschien ook wel opnieuw een van de mooiste momenten kan zijn voor de Cats. Het speelt zeker in mijn hoofd. Ik hoop dat er een nieuw zo'n prachtig moment aankomt voor ons. Het mooiste moment in mijn carrière. Het zou mooi zijn omdat we ook weer een heel lange weg hebben afgelegd ook om zo'n prestatie neer te zetten. Omdat we heel vaak in het net niet zaten de laatste jaren. Dus ik hoop van harte dat we daaruit geleerd hebben en dat we... Ja, dat we dit jaar echt een stap kunnen zetten allemaal samen. Uh,
C'est ma première finale en tant que coach d'une équipe nationale. C'est votre première finale à vous aussi. C'est pour ça qu'il faut l'apprécier. Okay, il faut profiter de ce moment-là. Okay, il ne faut pas aborder ce match-là avec un autre sentiment que juste de vouloir kiffer, de vouloir jouer ces 40 minutes-là. On verra à l'issue. Okay, moi, jusqu'à présent, j'ai toujours été fier de vous. Okay, à la fin de ce match, je veux juste être encore fier de vous et je veux que vous soyez fiers de vous. Okay, dernière chose, vous avez des papiers au-dessus de votre tête dans les casiers. Essayez de les choper. Dans vos casiers, some paper over your head. Vous avez ici, over your head. Voilà, vous en regardez tout. C'est bon, vous comprenez? Ce soir, il faut se sublimer, il faut se transcender. Okay, toutes les personnes que vous êtes là, vous êtes des gens super sympas, des gens mignons, au top. Okay, mais ce soir, les Espagnols, ils doivent voir ce qu'il y a sur le miroir, c'est-à-dire des lions. Okay, il faut rentrer sur ce terrain avec la volonté de rugir, de leur sauter dessus. Okay, si vous rentrez pas avec cet état d'esprit-là, okay, on va perdre notre temps. Okay, donc ce soir, vous êtes des lions, pas des chats. We're part of history already, together. And we're here to enjoy this game. But not just to enjoy, we're gonna leave everything we have left in our tank on the floor tonight. Everything. We're gonna stick together. It's gonna be hard, but we're gonna enjoy it. But the most important thing is we stick together. If we play 1 minute, 40 minutes, together. Right. Belgium on three, 1, 2, 3! Belgium! That's not on their highest level, not playing. And we're playing so bad, so scared, I think. And we're only down what? I don't know what. Seven. It only takes more energy, running faster, playing smarter, create something. We're only like standing around, watching one person do something. Drive, kick, get and go. I don't know what. Our game, what we've played for five, I don't even know how many games. Our kind of basketball, that's what they hate. We gotta play with our heart. Like, I don't know, we're not doing it. We're gonna, trust me, you're gonna regret if we keep playing like this and we lose this game. We're gonna regret it. And that's the worst thing you can live with, regret. Just go out. We got 20 minutes left to give everything we have to play our game, to fight. All right, come on, believe in yourself. Believe in yourself. You're open, take it. I don't care if it's next, like not in, but if you don't take it, we don't have anything for sure. We can do it. We belong here. We deserve this spot. And it's a once in a lifetime chance, maybe. Take it with both hands. And we're not doing it with not even one finger right now. We got it. We got it. Come on, 20 minutes. Let's go. Cutscene.